Bon, bien, je me suis arrêté à Serensubi. Là, il y a un petit parking sympa. Putain, il y a plein de cyclistes là. Oh, mais c'est gavé de cyclistes ici. Ouais, petit parking sympa avec un hôtel. Logis. Petit ruisseau. Là, il y a une sorte de trinquet. Oui, là-bas, ça fait. Ok. Balade, randonnée en Pays Basque. C'est beau à savoir, ça, le parking ombragé. La mairie, le trinquet. Alors, c'est un mur à droite, ça, ou à gauche? L'église au-dessus. Table d'orientation à 5 km. Ouais, ça me donne presque envie d'y aller. Ah ouais, non, parce que là il me reste à faire la remontée à. Ouais, mais c'est 5 km de montée, hein, de montagne. Bon, ouais, laisse tomber. Non, là il faut que je me fasse la montée là-haut au col. Donc je rattrape le GR qui va partir ici, là, grimper là-haut. Enfin, que je me rafasse pour la seconde fois et arriver là-haut, quoi qu'on voit pas derrière. Là. Niveau des crêtes là-haut. Ouais, il est pratiquement bientôt midi. Moins 10. Ouais, panoramique 5 km. Ah, c'est de la route, et puis bon. Bon, allez, yo. On va remonter par le GR. Ouais, je vais pas filmer parce que j'ai déjà filmé. J'aimerais une fois là-haut, après le single qu'il y a sur le GR. Ouais, c'est pour vous montrer le départ. C'était. Voilà l'embranchement qui va à l'autre, au fond de la vallée, là, que on peut faire un circuit par là. D'où je suis arrivé, là, de la descente. Et là, on attaque le GR par ici. Direct. Alors, ça monte en premier des lacets, et après, assez costaud, et après, ça. Ça monte, ça descend pour arriver au col. Là-haut. Ok. Voilà, le village Serensubi. Vue des premiers lacets. Allez, à plus. C'est Poirier. Bon, ben là, il fait vraiment chaud, hein. Mais alors trop chaud pour toute activité sportive, hein. Là, il fait 30 degrés facile. Bon, là, je suis pratiquement en haut du col, là, que j'ai remonté le GR. Là, je me suis arrêté parce que là, je sais qu'il y a de l'ombre, mais que plus haut, il n'y en a pas. Parce que je vais enquiller sur le single descendant, qui est au niveau du col. Allez, c'est reparti. Ah, la montée là, ça a été pas un calvaire, mais plein de cagnards. De bonne heure, ça va le matin, elle est à l'ombre. Hein. Mais alors, à midi, c'est trop tard, quoi. Plein de soleil. C'est éprouvant, hein, par ces chaleurs. Là, j'ai croisé des randonneurs. Oh, il y en a, ils étaient à l'ombre sur le chemin, allongés, faire la sieste. C'est trop chaud. Ok. Donc, je vais délaisser ma piste que j'avais empruntée ce matin là pour arriver ici.
prendre le GR que j'avais pris la dernière fois, qui fait faire fait passer par le Signol, traverser deux versants. Voilà. Là, j'arrive au niveau de l'Abreuvoir, là, plus loin. La piste montante vers le Charnier et le pic de Olunza. Et moi, je vais prendre ici, là. À droite. Ah non, c'est à gauche. Bon, dans un premier temps, ça descend, mais pour mieux remonter. C'est là où il y avait les filles, là, dans le virage, où je m'étais appliqué, hein. Là, il n'y a personne, alors. Hein. Voilà. Juste histoire de bien te casser, juste avant le single. Ouais, et si je prends tout droit, là, en fait, ça va sur la crête, mais... Ça, enfin, le chemin se termine sur la crête. Ouais, puis c'est pas trop... Ouais. C'est terrible, là. Ouais. Ouais, non, c'est ici, là. Ça va sur la crête, là. Allez. Je crois qu'il y a une barrière. Première barrière. Il faut que je reste bien en haut pour la barrière. Alors qu'en bas, je sais pas où ça va. Peut-être que ça fait éviter la barrière en bas. Non, oh, non, mais c'est pas une barrière. Non. C'est voilà. Ouais, c'est là aussi, il y a un single, mais il va. Voilà, ce single, il longe là. La crête là-bas est arrivée au sommet là. Ouais, chier. Ouais, c'est du raid après. Là-bas. Allez, hop, single. Pas grand monde sur le single. En profiter. Hop. Attention là, cassure. Hop. C'est plus loin là qu'il y a les cailloux là. T'es fou, toi, t'es furieux. Ça passe. Enfin, quand tu l'as déjà repéré une fois, ça va après. La première fois, je t'ai couru sans confiance. Je suis sûr qu'avec le frat, là, ça passerait sans problème. Et voilà. C'est sûr, je crois qu'il y a une barrière, je sais plus où. Là. Ouais, là. T'es arrivé trop vite. Celle-là, voilà, boum. Classique. Ah, il fait chaud, hein. Oh putain, cette chaleur. Ah, c'est joli, hein. Voilà la piste qu'on prend à l'aller pour arriver au col. Ok. Et puis on a Annecy, là-bas, le petit village où je suis parti. Allez, là, je vais rejoindre la route et prendre une variante pour rentrer, que j'ai repérée. Allez, on continue notre single.
single. Sauf que là, il y a des cailloux. Je vais à gauche. Hop. Et là, c'est là, c'est guidé. Jusqu'à la route là. Un peu de fraîcheur, ça fait du bien là. Purée. Ah ouais. Oh là là. Okay. Attention parce qu'il y a une barrière en bas là. La dernière fois, il y avait un randonneur, il me l'avait ouverte. Ok. Voilà, la route. Bon, je vais couper là. Arrivé à cette petite route là, soit je rentre par la route, mais j'ai vu repérer une variante. Une petite route qui part sur la gauche et qui arrive à des baraques. Et après, il y a une petite sente qui me fait rattraper un petit, même un peu plus loin. Allez, à plus.